fait une phrase. Une phrase, c'est l'été, nous sommes au mois de juillet, voilà, il fait chaud, faites du vélo. Ok. C'est chaud. Ça arrive, c'est bien. Voilà. Bon, bah ok. Bonjour tout le monde, ici Yakipon pour Yvasson Studio. On va finir Evoland 2. Ça fait longtemps, je sais, mais parfois, pas le choix. Tout simplement. Avec moi toujours Jacques. Salut. Et on va pas se mettre en voiture aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Je te propose de faire un truc frais. Bah tu seras sur le transat à côté de la piscine, voilà. Allez, d'accord, ça marche. Allez, on est reparti. On était Micheline, sur la... mon cocktail s'il vous plaît. Excusez-moi, le champagne. Tu m'as tellement fait peur aussi, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc on est parti pour finir là, ça y est. On a récupéré les 5 fragments, ouais. On a fait des cartes et tout, ouais. Et on n'a rien de disponible à part ben, parler avec elle pour la fin quoi. Oh là là, félicitations. Je savais que vous pourriez rassembler les 5 fragments de la magie. Je l'ai vu dans mes rêves. Merci Cérès, je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Bientôt cette affreuse arme ne sera plus qu'un vilain souvenir. Il me tarde de revoir mon village et mon père. Mais non, cela ne changera pas grand chose pour moi. Mais je suis heureux pour vous, mademoiselle Fina. C'est vrai que lui, il a ramassé quoi. Et qui es-tu vraiment certain de vouloir faire ça? Les conséquences sont imprévisibles. Bien entendu, Helvet, on a déjà discuté plusieurs fois. Pourquoi avoir fait tant d'efforts si c'est pour faire... Ouais, si c'est pour faire machine arrière, maintenant. J'imagine que c'est trop tard pour changer d'avis. Assemblons la clé. Ça sent mauvais, cette histoire, en vrai. Ah, succès déverrouillé, la clé. Passe partout. Oula. Vidéo sur 20. Graphisme sur 20. Arc-en-ciel suit désormais Yvasson Studio. Merci. Waouh, merci Arc-en-ciel. C'est le mec qui est sûrement désabonné pour se réabonner. Parce que je me sens qu'on a déjà vu Arc-en-ciel. Je suis pas sûr. Mais c'est Louis. Bah oui, c'est ce que je dis. D'accord. Je suis sûr que Louis nous suivait déjà en fait. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. Je vais chercher l'historique. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a encore un moustique de Samar. Oh, je l'ai eu! Yes! Bravo, au fait. Ah, alors que la terre revient. Petit à petit. Et là, je vais pouvoir aller au village et tout ça. Ah! La quête des cartes n'est pas terminée! En vrai, on va y aller vite fait. C'est très long comme animation. Oui, c'est vrai! Le mal s'en est allé. Il en reste un petit bout en haut là. Putain. C'est bon, on a compris. Allô le jeu? Ah merci. Ah. Le laboratoire est rouvert. Moi aussi ça m'étonne que je ne sois pas déjà abonné. Alors après recherche dans l'historique, Arc-en-ciel n'était pas du tout abonné. Je me suis trompé, je retire ce que j'ai dit. Eh bien bravo, on ne te félicite pas. Ouais. Par contre, ça sent le brûlé. Je sais pas si c'est dehors ou chez moi. C'est pas moi. Oui, ça sent ben, limite le plastique brûlé. Ah, ça serait c'est pas étonnant. Ça a marché, l'arme a disparu. Merci. Tu n'as pas à nous remercier, Cérès. C'est plutôt à nous de le faire. Non. Grâce à vous, mon énergie est revenue. Bim. On va tous mourir. C'était gros comme une maison, ça, mais bon. Cérès, que fais-tu? Je suis né avec de puissants pouvoirs. Désolé, je ne sais pas encore bien les contrôler. À cause de cela, j'ai été poursuivi et finalement capturé. Celui qui a fait cela, il voulait m'affaiblir, prendre mon énergie. Le professeur Giraud. C'est bien lui. Alors c'était toi, la fille qui l'a capturé et dont il s'est servi pour fabriquer l'arme. Oui, c'était moi. Et maintenant que l'arme a disparu de la trame temporelle, tu as récupéré tous tes pouvoirs. Oui, je pense.
J'aurais tout de même une question à vous poser, Cérès. Comment avez-vous réussi à échapper au professeur Giraud? Je ne l'ai point connu, mais j'ai entendu parler de lui à mon époque. Nul n'a jamais réussi à sortir de son laboratoire. Un jour, alors que j'étais affaibli, il a relâché son contrôle. Cela n'a duré que quelques instants. J'ai utilisé le peu de force qui me restait. J'ai ouvert un portail dans le temps et je l'ai projeté à l'intérieur. Je me suis enfui du laboratoire. Mais j'étais tellement... Non, j'étais toujours poursuivi par l'Empire. C'est à ce moment-là que Yaki est finalement aidé. Quelle était la probabilité pour que cela arrive? Il semblerait que toi et Yaki soient liés d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je pense aussi. Mais oui, mais... Je crois qu'il n'y a que nous qui avons compris qu'on était le professeur Giraud, quoi. Le gardien, je l'ai trouvé. Le gardien de quoi? Oui, je dois vous laisser. Si j'avais eu plus de temps, vous m'auriez accompagné. Ensemble, nous aurions pu détruire le temps. Détruire le temps? Mais de quoi est-ce que tu parles, Cérès? Désolé, c'est mon destin, mais je dois y aller. Il faut que je réveille le gardien et que je le détruise. Adieu. Oula. Petit bug. Elle est partie. Je me demande ce que c'est le gardien. Ce n'est pas le problème, Velvet. Elle a parlé de détruire le temps. Peut-être plaisantait-elle? Voilà qui m'étonnerait, mais non. Elle avait l'air sérieuse. Ok. Mais sérieusement, qui plaisanterait avec un sujet pareil? Où qu'elle soit allée, il faut qu'on la rattrape. Putain, mais quel casse-couille, cette finale. Cette histoire de gardien m'intrigue. Allons voir de quoi il en retourne. Et maintenant, il va dire blip, blip, blip. Et moi qui pensais que nous en avions fini avec toutes ces aventures. Oh là là. Pardon, quoi. Bon, ben on peut bouger. Elle est très aigre, Xérès, quand même. Oui. Comme le vinaigre de Xérès. Pois, 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 pois. Voilà. Elle était sponsor, celle-là, ou... C'est pas une marque, le vinaigre de Xérès, c'est une AOP. Je sais, mais... Je voulais savoir si c'était sponsor. Non, c'est pas sponsor, non. D'ailleurs, si Decathlon veulent bien sponsor, la Fnac, GoPro, Gerblé, ils prenaient. Gerblé. Ben oui. Regardez. Ah, ben voilà le machin, c'est ça le gardien alors au final. Je me demandais ce que c'était. Va y avoir des yeux partout. Miam, miam, miam. Ah, ce truc. Tu sais, je t'avais dit, mais c'est quoi ce bordel? Ouais. Je m'annonce. Ouais, c'est un truc avec des yeux qui volent. D'accord. Je suis un peu déçu, je m'attendais à un dragon, un truc comme ça. Bah, s'il Au faut, ce final, n'est pas sa forme finale. ouais. Bah, là, il ressemble juste à. Je sais pas. Un caca plein d'yeux entouré de cailloux. Ouais. Un concombre de mer. Ouais, voilà. Ya! C'est quoi ce truc? J'imagine qu'il s'agit du fameux gardien. Finalement, je n'ai plus vraiment envie d'en savoir plus. À votre avis, Cérès va-t-elle pouvoir détruire ce monstre? Il est vraiment énorme. Mais nous devons empêcher Cérès de détruire le temps. Et si pour ça, il faut se frotter ce gardien, alors allons-y. C'est dégueulasse. Elle est folle, hein? Alors, comment on fait? Eh bien, il n'y a rien ici. Très bien. Comment on joue déjà à jeu? Pour s'envoler, c'était quel bouton? C'est ça. Alors on peut aller là quoi, maintenant. Et ça c'est bien. Et ça c'est fort. C'est fort en chocolat même. Ah, il y a un coffre. C'est la boîte aux lettres? Non. Là derrière? Non. Ah si, là. Il est là. Wink. On a trouvé le gardien volant. Très bien. Il est velep. Cela fait bien longtemps que je n'avais plus vu quelqu'un venir jusqu'ici. Avec les merveilles de la technologie éolienne, tous les jeunes sont partis vers Agenova. Ce village qui jadis était plein de vie s'est trouvé petit à petit abandonné. J'imagine que cela est le cycle de la vie, mais je l'aime tant que je n'arrive pas à le quitter. Mais vous ressemblez beaucoup à quelqu'un dont ma mère m'a souvent parlé. Elle m'avait dit qu'un jour vous reviendrez ici. Comment est-ce qu'elle pouvait le savoir? Tenez, elle a laissé ça pour vous. Quoi? Une étoile. On en a 24 sur 30. Putain, il nous en manque 6. Eh ben.
On peut pas traverser l'eau quelque part, d'une quelconque façon. Par maman. Bon, ben, il y avait un coffre, une étoile, très bien. Quels dans sont le puits, les endroits il y avait rien. Pardon? Le puits, parce que, enfin, en général, quand il y a un puits, il y a un truc, du coup, je ouais, c'est vrai, non, j'ai pas regardé par défaut. J'aurais dû. Je regarde. Non, apparemment, non, j'appuie sur A, il se passe rien. Parce que de mémoire, dans le 1, il y avait aussi. Ouais. C'est bien, comment ça? Il y avait l'histoire qui se poursuivait dans un puits. Oh non, il y a un autre moustique. Bon, et là alors? Non, il y a rien. Hein. Mais parce que toute cette map là, dans le futur, tout avait explosé, donc. Je peux enfin retourner. Oh là. Non, je voulais pas faire ça. Oh non. Ok, je ne vois pas bien d'ici. Il faut qu'on s'approche encore plus si on veut pouvoir retrouver Cérès. Ah, Colin, il a dit non. Donc je vais pas le faire. Il est bien cool, machin. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée, finale. Oula, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a des anomalies temporelles près de ce gardien. Raison de plus pour ne pas y aller. Sans votre respect, nous ne sommes pas à quelques imprudences près, mademoiselle Velvet. Oui, c'est pas faux. Je sais bien, mais ils sont quand même bien qui décider. On y va? Pas encore. Excellente décision. Mais Taras, en fait. Bon, bref. Qu'est-ce qui était inaccessible? Il n'y avait pas que ce petit village. Hein. Il y avait tout qui avait pété, là. Mais au final... Ah, peut-être dans le... Comment je peux retourner dans le... Par là. Dans le présent, ça avait pété. On va voir. Vite fait. Et promis, on finit le jeu. Ah, j'ai cru que c'était désactivé, on pouvait plus changer d'époque. J'avais pleuré. Ça, c'est le passé. Oui, parce que dans le présent, on va revoir la famille de Fina. Quoi. Boîte, 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 boîte. Alors, on s'envole jusque... Alors tout d'abord, on va au labo. Parce que peut-être que il y avait rien. Ah voilà. Il y avait rien au futur, mais là, au présent, il y a quelque chose. Où est le coffre? Ah ah! Chez. Et j'ai trouvé de la gelée rouge. Je suis dégoûté, quoi. Je pensais que c'était une étoile. Que dalle. Putain. Est-ce que je peux re-rentrer dans le labo? Il a pas encore été explosé, si? Ouais, je peux y aller. S'il faut, c'est dans le labo que j'ai loupé des trucs, mais ça m'étonne. Allez, dépêche. Ah, moustique. Il y a deux coffres. Merde. Ça, c'est embêtant, par contre. Parce que je saurais pas où ils sont. Ah. Déjà, apparemment, il y en a un là. Ouais. D'accord, faut aller là. C'est bon, les deux sont tout prêts. Et j'ai trouvé une étoile. Comment j'ai pu la louper, quoi? J'avoue. Même celui-là, là, il y a un coffre pas loin. Comment j'ai pu les louper? Eh ben, ah, on sauvegarde. Hop. Mais comment j'ai pu louper ce genre de choses? Je comprends pas. Et une carte de Renault. Peut-être que c'était pas accessible quand tu l'as fait du premier coup. Bah ouais, mais c'est bizarre quand même. Bon, oui, c'est bizarre. Là, on peut partir. Ouais, plus que 8 cartes. Plus que 8 cartes?
53 sur 61. Tu es sûr? Bah 53 sur 61, c'est ce que je viens de voir à l'écran. Oui, mais c'était pas la carte 53 sur 61? Non, c'est ton total de cartes. Je suis pas sûr. Pour les étoiles, il me donne le total, mais pour les cartes, j'étais pas sûr, moi. Bah comment tu sais si tu combien il t'en manque sinon? Bah dans mon onglet de cartes. Il me manque la 1, la 2. Ah. Pour l'instant, il me manque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ok, ça fait 53 sur 61. Ah, ok, tu vois exactement celle qui te manque. Oh, oui, okay. Comme ça, moi, si je veux un jour faire le 100%, ce que je pense pas faire ce soir parce qu'il faut vraiment qu'on finisse l'histoire, ce serait bien. Ben, je pourrais utiliser ça. Pour les étoiles, je sais pas. Il doit y avoir un PNJ peut-être comme dans le 1, mais là. Je vois pas où je ne peux plus aller en fait. Enfin, où c'est que j'étais complètement bloqué d'avant. Comme copain. Ouais. Alors, pour les cartes, c'est bon, je sais précisément. Ouais, mais les étoiles, c'est trop chiant. Tant pis. Ah oui, j'avais dit qu'on devait retourner à son village à elle déjà. Et à la clairière au tout début. Voilà. Non, si, c'est ça. Il y a un coffre. Merde. Clof. On avance. Hein. Vous voulez savoir ce qu'il fait, monsieur C, là ? Il triche. D'accord. Il y en a qui comprendront. S'ils regardent encore le stream. C'est juste qu'il joue à Persona en facile et donc il gagne beaucoup de l'expérience, donc il triche. Voilà. Ça me fait rire de dire ça. Lui un peu moins, mais moi ça me fait rire. Et puis le plus important c'est moi, on est d'accord? Pas du tout. Ah! Bah, il est où le coffre? Il est censé être là. Ah putain, il est derrière. Ok, comment j'y vais? Comment j'y vais là-bas? Je peux pas passer. Je peux pas passer à travers la rivière. S'il faut, faut juste faire tout le tour et descendre à un moment donné, mais. Je sais pas. Non, avec le vol, tu ne peux pas te déplacer. Je peux pas voler là, ouais, ouais, sur les maps comme ça. Non, mais c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est là en fait. Et, putain de caillou. Mais va-t'en, saleté. Je pense qu'il faut que je descende par là. Ouais, voilà. C'était ça que je pouvais pas faire avant. Enfin, je pense. C'est cool. J'ai pas vu le caillou. Il est trop mignon. Moi non plus, j'avais oublié que les cailloux voulaient m'agresser dans le jeu aussi. Personne ne m'aime. Tout le monde veut ma peau. Ok, bon, j'ai le coffre. Et c'est une étoile, pas vrai? Je sais pas. Ah, 26 sur 30. Ouais. Allez, on redescend. Ouf. T'es XP max au fait? Bah ben, je sais pas, c'est pour ça que je vois que je vais bientôt presque prendre un niveau. Donc je vais voir si je peux encore en prendre un ou si je suis au niveau max. Parce que vu que j'ai pas l'impression que ça avance, c'est pour ça que je demande. Ouais mais... Ah non, je pense qu'il m'en manque un petit peu. Je suis niveau 28, ça serait bizarre de mettre un niveau maximum à 28. Ouais j'avoue. Comme dans un truc du style World of Warcraft où il te bloque à 80. Puis te font descendre. Puis te font monter. Oui, bah à la limite, leur logique est compréhensible. Ben au moins, dans Final Fantasy XIV, ils font pas ça. Ils nous font pas repartir en arrière. ils font pas repartir en arrière, c'est juste qu'ils nervent les niveaux, c'est tout. Oui.
Allez, dans le village, il y a des choses. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a deux combats de cartes déjà. Nibiru. Ouais. Allez, je vais l'éclater là. Et... Genre, dès le début, 5 dans la tronche. Bim, au revoir. Oh non, elle m'attaque avec un blob à 1. J'ai mal. Oh là là. Allez, mets ça là, là. Voilà. Là, on va rigoler, là. Bim, boum. Prochain tour, c'est fini. Ouh là là. Elle a sorti l'artillerie lourde. Oh là là. Oh là là. Oh, oui. Non, je voulais jouer mon mustachu. Je suis très déçu. C'est pas grave. J'ai gagné. Oui, c'était pas trop mal joué. Ouais, t'as raison, je t'ai éclaté. Le gardien de la forêt. Alors, on avait dit qu'il y en avait une autre là-bas. C'est pas bien. Ah, c'est le monsieur là. C'est le monsieur rat. C'est fait un roast. Reviens me voir quand tu as presque fini ta collection. Tu n'as pas encore le niveau pour me battre. Ah, l'enfoiré! Papa, je suis heureuse de te revoir. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fina? On s'est vu tout à l'heure, juste avant que tu partes dans la forêt. Je vois que tu as retrouvé Yaki, je suis content que vous vous entendiez bien. Ne partez pas trop loin, vous risquez de faire de mauvaises rencontres. Oui, papa. Il vaut mieux que je n'y en dise pas plus. Il risquerait de s'inquiéter pour rien. C'est pas faux. Ah non, il faut toutes les cartes pour faire... C'est comme dans l'autre jeu, il fallait toutes les cartes pour faire le... Ouais. Enfoiré! Bon. Bon, il y a des coffres avec avec Velvet de souvenirs. Non mais putain mais les tomates m'empêchent de passer. Saleté de tomates. M'en fous, je sais que c'est par là. Là je m'en souviens, tu vois. Bloup. Allez, les deux coffres sont là. Alors là c'est un truc overpété, n'est-ce pas? C'est entouré de cailloux. Ouais, du mahana. Attends. Du mana. J'en ai trois, ça y est. Non, j'en ai que deux. Ah, mais je vais pouvoir retourner à Wakdo. Ah, peut-être. Mais oui. Ah oui, 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 oui. Vu qu'il n'y a plus la guerre, je vais pouvoir y retourner. Ouais. C'est trop bien. Mon dieu, je suis bloqué dans le... Dans le... dans les champs de maïs. C'est bon, non? Oh les enfoirés. Non mais... Où est le truc? Est-ce qu'il faut faire tout le tour par là? Non, je peux pas là. Je peux. Est-ce que je peux progresser là? Non. Là. Ah, ah, non. Là. Non. Là. Je sais pas. Mais... Le jeu m'empêche de jouer. Je sais pas du tout. Moi non plus. Là. Ah bah oui. Forcément. C'est bon, c'est facile. Là, 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 là. Oh, du minerai d'Oricon. Il était où déjà, le forgeron? Dans une grotte. Ouais, merci. Voilà. On aurait dit... On aurait dit Clinton, quoi. Rire de droite. Bon allez, on se casse d'ici. Et oui, bah, je peux retourner à la ville dans le présent en fait. Tu vas avoir plus de gens qui veulent me parler. Bah ça sera la dernière chose à faire. J'espère. Je pense que les dernières cartes, tu peux les faire. Oui, je pense, mais où Mais je les ai là sous les yeux. Bon, on verra. Alors déjà ici. Ah, j'ai 0 sur 0. Merde. 0 sur 0. Égal la tête à Toto. Non, même pas égal nul. Bon, j'espère que j'ai tous les ingrédients. Salut. Bienvenue chez McDonald's. Malheureusement, le restaurant est fermé pour l'instant. Vous avez trouvé l'un des ingrédients légendaires? Oui, j'ai le steak de Mahmut. Ah oui, génial, merci. Il manque deux ingrédients. Oh putain, ça va être long. Alors, de la gravité. Est-ce que tu veux la gravité, mec? Alors, il y avait la pizza sans fromage,
Et la pomme d'or, c'est ça? Voilà, la pomme d'or. Génial, merci mille fois. Vous m'avez apporté les trois ingrédients légendaires. Je vais pouvoir créer des plats exceptionnels. Tenez, je voulais vous remercier. Et voici une étoile. Ah non, du mana. Merde. Je suis très déçu. Oui, prenez ça aussi. Oh, j'ai 6600... Eh ben, j'ai eu un succès, c'est over 9000 de gold. Ah bah, parfait. Mais je voulais une étoile. Ah, je suis très déçu. Putain. Ah ouais, génial, une cicatrice sur la joue. Bon, la déception m'habite. Attends, parce qu'au présent, je pouvais pas retourner dans la prison. Mais est-ce que maintenant, je vais pouvoir y aller? Vu que tout avait pété. S'il faut, il y a un truc à... Putain, c'est fermé. Non, mais non. Et il me manque toujours un objet, hein. Genre, j'ai bateau, la console NES, l'avion, il me manque un objet. Ouais, mais je sais pas... Moi non plus, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas là. C'est où, la prison, déjà? C'était pas là. Bon, ben, je sais pas. Tant pis. Je suis un peu déçu. Là, c'est le Colisée. Oh, vous venez participer au tournoi du Grand Colisée? Non. Ouais. Ça suffit, là. Colisée, j'ai déjà assez donné comme ça. Après, ça m'étonnerait que ce soit là, parce que, enfin, bon... Je sais pas. Bon. Voilà. La visite est terminée. Bah, je sais pas où aller de plus, tout simplement. Et maintenant, il y a quoi là, d'ailleurs? Vu qu'il n'y a plus le truc. Il y a un chemin derrière. C'était pas le jeu. Si des plantes à couper, si c'était ça. Bon. Eh bien, je sais pas. Que tu veux qu'on fasse? On continue le scénar ou. Là, si tu veux, la carte numéro 1, oui. Elle est dans un coffre dans le bosquet sacré passé. Ok. Oh, me dis pas que c'est... Ouais. Me dis pas que c'est le coffre que j'ai pas. Ben, c'est celui que j'ai galéré à avoir. C'est celui auquel je pense, mais je sais pas. Sur la mini-image que j'ai là, elle est pas très loin d'un gros champignon bleu. Ouais, ouais c'est ça. Mais, ouais. Mais je vois pas comment tu peux y accéder. Non, on en avait chié pour y aller. Punaise, le forgeron, c'était passé? Oui, c'était le passé, je crois. Il faut que j'aille dans le futur pour le truc de Ménon. Bon, attends. Bon, par contre, ça me fait chier de pas pouvoir changer d'époque quand je veux. On va dire... Ouais, je suis d'accord. Genre d'avoir un bouton maintenant que j'ai la NES et tout, là. Et c'est peut-être ton dernier item manquant. Je sais pas, je dis ça. Ouais, je sais pas. Non, mais s'il faut, c'est ça. Hein. C'est vraiment pratique, putain. Mais je sais pas où il est dans ce cas-là, cet objet. De ses morts. Ok, futur, très bien. Je vais faire l'évolution de mes noms. Qui est juste là-bas. Eh oui, mais c'est le coffre que j'ai jamais réussi à avoir. Donc ça je crois bien, ouais. Bon, la carte numéro 2, c'est juste la dernière que tu devras prendre, c'est celle que le père te donne. Ouais. Et après, je sais plus. Je vais te dire ça. Ah. On dirait un transformer. Ouais, un peu. Tiens, le Mahana. Oui, vas-y, montre-moi le pouvoir du feu. Ah, Power of the Fire and Earth, Ygritte. Mm-hmm. Très bien. Ça m'a fait un succès en plus. Ensuite, je vais dans le passé pour le forgeron. Mais je sais plus où il est.
quand même dommage. Je crois que c'était dans la grotte où j'étais, mais pas dans la bonne époque, quoi. Je suis quasiment sûr que c'était un serial killer. Tain. Je ris tout seul. Hop, bah il est là. On entend faire ding ding. Il fait presque bim bam boum. Oui, je sais, je... Non. Je te donne... Ou je te donne le minerai d'Oricon. La ceinture. Oui. Allez, comme ça, moi, je serai full stuff. Putain, c'est long. Et voilà le travail. Et j'ai la ceinture en Oricon. Je suis fier de mon œuvre. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez d'autres objets à forger. Mais mec, j'ai fini. J'ai plus rien à vous forger, merci. Grâce à vous, je vais certainement devenir un forgeron légendaire. Ok. Tu n'as même pas une étoile, hein, connard. Bon, bah, voilà. Ici, on y était allé dans toutes les époques. Je crois. Bon, bah, je vais aller voir le bosquet sacré ou pas? Ouais, j'ai pas envie, de ce que ça fait. C'est une connerie, là. Oui, c'est bon, allez, tais-toi, merci. Parce que je sais où il est, mais... Je sais pas comment l'avoir, quoi. Ouais, non, j'ai pas envie de le refaire, hein. C'est bon, j'avais cherché pendant une demi-heure. Je chercherai sur Internet, hein, tant pis, pour les étoiles et les cartes. Bon, c'est dans le futur, c'est ça, que c'est le bordel. Pardon, excuse-moi, j'ai eu une absence. Votre correspondant est en ligne. Je répondais à un message. La recherche des cartes, oui, tu disais? Bah, que je vais faire l'histoire. D'accord. Parce que la carte dans le bosquet, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. J'ai cherché pendant près d'une heure, ça va quoi. Non, là, c'est vrai que... Je le ferai plus tard sur mon temps libre. Quel temps libre? Bon, demain, j'espère que la voiture, ça va aller vite. Privé. Privé. Il est où le gros machin là? Ah, il est là. Allez, go. Oui, on y va. J'aurais dû rester avec les pirates, c'était moins dangereux. Ah oui, quand même. Excuse-nous quoi. Oh là! Oh non! Je suis pas très très fan de... C'est chiant. Je suis pas très très fan. Autant les... Putain. Ils me vont moi. Ah, bon bah level up. Très bien. Vous avez atteint le niveau 29. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi je suis tombé dans mon avion? J'espère que c'est un bug. C'est peut-être volontaire. Ah là, je fais comment pour monter là? Ah putain! S'il l'a fait tout seul, ouais, peut-être. Je sais pas. Prévenez-moi. Faites un truc. C'est près de mieux. Ah! Il y a du vent. J'aime pas ce style de jeu. Je préfère tout. C'est pareil, sauf que c'est horizontal. Non, c'est pas pareil.
La façon d'apprendre le truc, c'est pas la même chose. Ah, sauvegarde. Ouais. Moi, je reviendrai là. Putain. Là, je vais pas pouvoir faire ça à cause des deux débiles, là. Vite, vite. Ok, go. Putain. Ah, mais... Je peux pas prévoir... Hein. Attends, mais comment je fais, là, pour me retourner? Faut péter du cul maintenant. Salut Davy. Oh. Attends, je suis vraiment horrible. Est-ce que tu te souviens du dernier post que j'ai fait Facebook? Oui. Ouais. Mais crois-moi que il y en a un, il faisait une pipe. Oui, je me dis. Et que là, cette fois-ci, ça m'a pas fait rire. Mais quel bordel. C'est que sur moi, hein, que ça tombe ce genre de choses. Ah là là. C'est long cette phase, dis donc. Moi je pensais qu'on devait lui péter les yeux, que dalle. Faut juste avancer. C'est bizarre. Oh, il s'est pris un ménon sauvage. Ah! Ça en fait. S'il y a un truc qui me freine, c'est ça. On doit recommencer. Allez, dépêche. Non. Vite. Oh, pas ça. Ça sent mauvais, ça. Voilà, ça sent les oursins dans le vent, là. Il y a des étoiles. Pas. Oh, je pense pas. Ce serait super moche d'avoir foutu des étoiles là-dedans. Non, c'est bon, y'a rien. Attends, je suis à combien de pourcentage? 96,9. J'avale à 100%. Je l'aurai pas. Au secours. Mais...
Mais c'est encore long, j'en ai pour 2 heures de side-scrolling là ou pas? Pour savoir, hein. Parce que c'est mignon, mais c'est un petit peu chiant. Bah, c'est la. On approche de la fin. Donc. Ouais, mais bon, que cette phase soit aussi longue, je comprends pas trop. Oh, c'est pas ouf quoi. Allez, vas-y, dans les oursins. Ah, oh, mais c'est pas possible cela. Va-t'en. Pire, je me lance dans le vide. On va peut-être éviter. Oui, mais je serais retombé sur les oursins. Au revoir. Oh là. Bon, en attendant, votre actu, il va sans studio, allez-y. Eh bien, durant tout l'été, à 8h05 le matin, vous avez des petits clips sur Facebook, sur les best-of des streams précédents. Demain matin, 10h ou midi, je sais pas, il y a un nouveau Pastrologie qui sort. Ouais. Voilà, et sinon, il y aura du Pastrologie tous les mois, là, jusqu'en décembre. Et après, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Merci beaucoup. Bah, après, sinon, il y a un reportage sur la médiation du cirque et des élèves jeudi à la Grainerie. C'est intéressant, ça. Au Toulouse. Mais le temps que ce soit monté et diffusé, ça sera pas avant la rentrée, voire l'automne. Hein. Oui, bon, ça. C'est long. J'ai un sacré boulot de montage derrière. Ah, oui, parce que là, on parle d'un reportage façon Arte. Ah oui, façon... non, mais... audio, ouais, bien sûr. Bien sûr, voilà. Mais j'ai un sacré boulot à faire en nous. Je comprends. Sinon, après, vous pouvez suivre tous les réseaux sociaux, un peu partout, ce qu'on poste. Et Discord, vous inquiétez pas, on reprendra Dofus un jour. Oui. Discord, on poste pas mal d'actu de jeux vidéo de base pour tout le monde, juste pour qu'on en discute entre nous, les jeux qu'on aime bien aussi, 2-3 conneries, des mèmes au passage. Voilà, des trucs assez sympas. Quand Discord plante, eh ben, on se rabat sur TeamSpeak, parce qu'on l'a, il est toujours là, hein, il existe. Oh, et voilà. Ah. Voilà. C'était quoi cette explosion? Bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'on perd de l'altitude. Ce n'est pas qu'une impression, cette créature est en train de descendre, elle va s'écraser. Salut! Y'a qui, Fina, mais non, Velvet, mais que faites-vous ici? On est venu t'empêcher de détruire le temps. Désolé, Cérès, mais on ne peut pas te laisser faire une telle chose. Vous ne comprenez pas, il le faut, et de toute façon, il est déjà trop tard, j'ai détruit le cœur du gardien, il va s'écraser et me permettre d'accéder au projet. Le projet? Mais de quoi s'agit-il exactement? Mais de Monsieur Macron, non? Vous l'ignorez? Pourtant, vous avez bien voyagé à l'époque magie, non? Je dois faire vite, sinon le professeur Giraud m'empêchera de détruire le projet. Adieu. Le professeur Giraud? Mais il n'est pas mort? Il faut croire que non. Regardez, le gardien va s'écraser au sol. Et il saigne du nez. Oula, petite cinématique du petit machin qui va faire... Sbroch. Oula. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu déçu, je pensais qu'elle allait vraiment battre le gardien. Ouais, moi aussi, mais... Oh là là! Regardez, c'est l'anomalie. Comment est-ce possible? Elle a été causée par la mort du gardien? J'ai aperçu une explosion lorsqu'il s'est écrasé, c'est sûrement de cela que parlait Cérès. L'accès au projet, il se trouverait dans l'anomalie. Si c'est le cas, nous devons nous y rendre plus vite. Nous devons empêcher Cérès de détruire le temps. Je compte sur toi, Yaki. Bonjour, je vais dedans. Oh non! Donc voilà, dans le monde chelou, putain.
Ceci n'était pas là la dernière fois que nous sommes venus ici, j'en donnerai ma tête à couper. Vu le nombre de changements que nous apportons à la trame temporelle, j'avoue ne plus trop savoir. En tout cas, ce symbole est le même que celui de la pierre du temps. Effectivement, la pierre du temps, et dire que j'ai toujours rêvé de la trouver, allons la chercher. Espérons que cela nous mènera à Cérès, notre quête touche à sa fin. Mais la pierre du temps... Ouais, voilà, elle est sur l'île maudite. Non, c'est Docteur Strange qui est là. C'est vrai. Dormammu, je suis venu pour négocier. Ah, mais Dormammu, ça m'a fait mourir de rire, moi. Tellement au 15e degré, le film, que tu fais oula. Allez, c'est ma pierre du temps. Elle est à moi. Oui, je sais, les escaliers s'en vont. Allez, on s'en va. Je vais prendre la mer. D'un bateau avec vue sur mer. C'est dans les airs. Hop, anomalie. Alors, non mais ils vont pas me la remettre. Si, ils vont le faire. Putain, mais c'est pas possible. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Voici la pierre du thé. Un portail est apparu. Vite, Yaki, je ne comprends pas pourquoi Cérès fait tout ça. Mais il faut l'en empêcher. No shit. Mega Clink. Ah, j'avais oublié ça par contre. Rappelle-toi que Cérès possède la puissance de l'arme. Je ne compte pas que nous puissions la convaincre d'arrêter sans l'affronter. J'espère que tu es bien préparé. Oui. Au moins. Cérès a sûrement... Je sais plus quoi. Tu ne crois pas? Oui. Pff. Et là, il y a des trucs. Et merde. Bonsoir. Allez, go, c'est parti. Finissons le jeu. Oula. Le cube. Qu'est-ce que... Quel objet le plus étrange? On dirait qu'il contient tout l'univers. Je vais boire de l'eau. Et je me suis pas mute pour l'ASMR. Pas l'univers, le temps. Cérès, où est-ce qu'on est? Au cœur de l'anomalie, là où les magies ont caché leur grand projet. Alors c'est donc ça le projet, mais pourquoi vouloir le détruire? Les magies voulaient empêcher la fin du temps, ils ont donc construit le projet, pour courber le temps. Courber le temps? Détruire le projet va certainement détruire le temps, mais s'il existe une chance, même infime, que ce ne soit pas le cas, alors il faut le faire, c'est le seul choix possible. Non, Cérès, on a toujours le choix. Oh là là. Si c'est ce que vous pensez... Oula. Final, elle a disparu. Oh, Bev Velvet aussi. Non, Mega Clink, il faut te battre. Plup. Yaki, j'aurais espéré que toi, au moins, tu me comprendrais. Ben non, je suis Giro, bordel, on le sait depuis le début. Quoi, je suis directement connecté au projet. Pourquoi est-ce que je ne peux pas t'effacer? Mais qui es-tu au juste? Je viens de le dire, je suis Giro. Voilà. Par le pouvoir de l'amour et de la vérité et de l'amitié. Qu'est-ce qui se passe? Augmentation de pouvoir. Le pouvoir de Yaki s'est réveillé. Vous pouvez désormais ralentir le temps. Quoi? Je comprends maintenant. Notre destin n'était pas de nous comprendre, mais de nous affronter. Oula. Un gros gros, dit-elle. Bon. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas de vie. Bah, je peux pas passer ça. Si, elle a de la vie. Non, de nez. Ah oui, bon, comme tous les persos comme ça. Oh. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux ralentir le temps? Ok. Mais pourquoi faire? Tu ralentis le temps au maximum, est-ce que tu peux traverser la chose? Non, j'ai essayé. Attends. Ah. Il faudrait qu'un rouge vienne et pète dans son portail. Là. À tous les coups, c'est ça. Ou alors, il faut que je tape dedans. Ouais, voilà. Faut que je les désactive, je suis con, moi.
Ok, j'ai trouvé. Je suis rapide. Voilà. Première phase finie. Oula. Oulala, oulala, oulala. Oh non, je tombe. Mais. Y'a un machin. Y'a un machin qui me fonçait dessus, genre merde. Oh merde. Alors ça j'aime pas. Ah, saloperie. Non. Ah mais je suis là. Ok. Bon, ça reste dans les classiques, quoi. Merde, merde, merde. Oula, 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 oula. Oula, oula. Merde. Mais vilaine. Mais elle est chiante, elle aussi. Oh, je suis tombé, dommage. Non, 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 ben. Ah mais j'ai que 22 points de vie. Alors, c'est le moment où on utilise nos potions. Oui. Merde, je vais descendre. Chut. Mais où elle va? Oh là. Je suis un caillou, Harry. C'est Freezer, quoi. Oh non! Ça me rappelle Cuphead! Comme dirait un certain Imagero. Eh, le bateau pirate! C'est drôle! Bon, pour l'instant, ça reste simple, hein, cela dit. Oh là! D'autres notes expected. Expecté de pas trop dans le même. Oula oula oula. Oh non, j'ai que 5 points de vie. Alors tu m'en veux pas, j'ai envie de one-shot le monstre. Hein, donc... Oh non, j'ai regagné toute ma vie, quel dommage. Tiens, meurs. Ça a pris. Ah, et là je fais comment? La musique est cool, cela dit. Du peu que je l'entends. Meurs, Cérès! Décède, Vringuin! Bon. Ce n'était pas sa forme finale, évidemment. Y'a qui? Jamais je n'ai voulu te combattre. La preuve, con. Et je pense que tu ne le souhaitais pas non plus. La réalité se disloque. Je pense que nous sommes allés trop loin. Je n'arrive plus à percevoir ni le passé ni le futur. Nous avons atteint la fin du temps. Que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. Le projet a été endommagé par notre combat. Cela sera-t-il suffisant pour arrêter la courbure du temps? Sans cela, le cycle recommencera sans cesse. Les mêmes époques, les mêmes événements, les mêmes combats, les mêmes destins pour tous. Et pour nous deux aussi. Oh non! Ah! C'est nouveau, ça, par contre. Mes forces m'abandonnent. Je vais disparaître, Yuki. Eh ben, tchè. Et cela me fait peur. Oula. Peut-être nous retrouverons-nous un jour. Et s'il n'existe alors plus de destin? Ensemble, nous changerons ce monde. Sniffy, sniffy. Je t'attendrai, j'ai... Mais putain, mais j'ai compris que j'étais Giro, oh là là. C'est pénible, hein. Elle va évoluer. Genre, ça se passe comme ça dans Pokémon. Elle a fait zouche.
pas très fin pour les épileptiques, là, quand même. Ouais, c'est vrai. Et qui n'est pas revenu? Il va revenir. Mademoiselle Fina, cela fait plusieurs jours, nous ne pouvons plus attendre. Et qu'est-ce que tu proposes, Manon, hein, partir sans lui? Mais non, raison, Fina, nous ne pouvons pas rester ici. Je ne sais pas quelle époque ni quel monde nous attend au-delà, mais il faut y aller. Alors allez-y! Mais ce sera sans moi. Je ne partirai pas d'ici sans Yagi. Mademoiselle Fina, Megaclink est sûrement... Inutile d'insister, mais non, elle a pris sa décision. À nous de la respecter. Nous vous attendrons au-delà du portail, Mademoiselle Fina. Allons-y. Yaki, où es-tu? Où t'es, Yaki, où t'es? Yaki! Yaki! Et sinon, elle dort, elle mange, elle fait caca pendant ces jours-là? Je suis pas obligé de tout savoir, mais peut-être. Fin! Hein, pourquoi il pleure? Parce que nous, on n'est pas revenus, mais... Ok. Les mêmes meutes. Oh non, ils ont tué l'ours. Ils sont contents. Salaud! Mais moi, je vais y retourner dans la prison, putain. Saleté d'égout, quoi. Est-ce que c'est Poutros? Oula. La madame Omahana. C'est bien. Pas fini, il a fait respecter la distanciation sociale. C'est vrai, hein. Ils vont appuyer sur les consoles comme il faut. Je vais en activer ça en bas à droite. Ah oui, ils sont en train. Ils vont réveiller Mewtwo ou pas? Ou pas? Los Viking. Parce qu'ils fondent, ils ont l'air contents. Ah ben non, parce que ça, tout est en train de fondre. Bon, c'est long là de voir tout le monde quand même. Mmh. Mais c'est le vieux qui avait au village qu'on a refait ça. Qu'est-ce qu'il fout dans l'anomalie? Oui, bonne question. Ah, ils sont vivants, eux, maintenant? Plume, chérie
Et le fils de Ménon, j'ai oublié son nom. Je suis pas allé dans le passé ici. C'est peut-être ça le truc. What the fuck? Ah ok. Bon, au final on est rentré et voilà. Ok. D'accord. Eh bien voilà, c'était Evoland 2. Avec Nicolas Canas, à pas répondre avec autre chose. Bon, c'était rigolo. Oui. C'était rigolo, j'ai bien aimé. Full français. Mais que faisons-nous en prochain jeu indépendant après Evoland ? Bah, on avait quelque chose de prévu, mais ça a été repoussé. En vrai, on le tease maintenant ou pas ? On le dit maintenant. Il y en a un one shot qui t'est proposé. Ouais, toi tu m'avais dit que ce serait bien qu'on fasse journée, mais ça prendrait quoi 3 heures grand max. Ouais, de stream. Vraiment grand max. De stream ou un seul gros stream. Sinon, on avait pensé à quelque chose qui a été reporté en août. Ouais, mais ça on le dit pas de suite. Ouais. Donc en attendant, pour des streams un peu sauvages comme celui-là, on pourrait repartir sur Dead Cell, il y a eu un patch. Ouais. En attendant. Ou le petit jeu coloré là, que je t'ai montré. Ouais, mais j'ai pas plus d'infos sur une durée de vie ou quoi que ce soit, faut que je me renseigne un peu plus. Ouais, après ça peut être comme Dead Cell, hein, un truc qu'on lance et qu'on relance. Et... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... c'est un rogue ? Oui, c'est un rogue, oui. C'est un rogue avec certains objectifs, c'est vrai, mais un rogue. Après, tu vas me dire, Dead Cell, c'est un rogue à objectif, mais alors l'objectif va te le payer, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais ouais, ça peut se faire par petite session, je crois, chose. Bah, du coup, là, dans l'immédiat. Alors, quand je dis immédiat, ça veut pas dire là, maintenant, de suite. Hein, ouais. Tout le monde. C'est quand on peut et quand on veut. Oui. Ça serait du journée, du Dead Cells, et en fonction, on sera peut-être déjà en août. Donc, attends, mais c'est le début du jeu, ça. Oh, tu es réveillé, tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanoui, tu ne te souviens de rien, même pas de ton nom? Peut-être devrais-tu aller chercher dans la forêt, cela t'aidera à retrouver la mémoire. En fait, je me suis pas présenté, je m'appelle Fina. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Attends, quoi? Bah, en fait, on a fait une loupe. C'est ça, la fin du jeu? Ça s'appelle du fanservice, hein, dans le métier. Genre vraiment. C'est vrai, cette image-là ne sert à rien. Ah ouais, c'est du fan service. D'accord, bon, bah, c'était la fin de jeu. What the fuck. Mais oui, enfin, ce qui était juste avant, c'était clairement le début du jeu, ça. Ouais. Bon. Eh bien voilà. Eh ben. 18h30 pour le finir. Pas à 100% finir avec non, il en sachant reste qu'on a quand même, enfin, ouais, on a quand même bien traîné. Hein, il en reste très très peu à faire. Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Que faisons-nous ? C'est la vraie question. Tu peux faire des cartes si tu veux, des étoiles, des coffres. Bon, on va retourner dans la putain de forêt. Allez. C'est perturbant le fait que la fin du jeu soit vraiment exactement le début du jeu. Ouais. Ça j'ai un peu de mal à... Enfin, sur d'autres jeux, ça ne me dérange pas forcément, ça peut se comprendre, mais là... Ouais. Mais surtout qu'il n'y a aucune explication, quoi. C'est ça, parce que là, normalement, enfin, le temps, machin, enfin, il y a plus de raison de faire de boucle, Donc, je sais pas. Non, mais c'est pas normal, il doit manquer un truc.
Si c'est vraiment ça la fin de jeu, je dis bon, ouais. Pff. Après tout ce qu'on a fait, bon, pourquoi pas, hein, cela dit, vu que ça reste avec le temps, tout ça, on va dire que tu fais la boucle, je comprends, mais moins quoi. Bah, le truc, c'est que ça ne te tease même pas un possible Evoland 3. Je sais pas s'il y aura un Evoland 3, j'en sais rien. Je pense pas. Hein. Mais là, du coup, enfin. Après, entre le 1 et le 2, y avait pas de lien. Hein. Non, mais après, enfin, comme on l'avait déjà dit dans le 1, c'était un jeu qui en fait en 48 heures lors, ou une 24, je sais plus, lors d'une game jam. Et après, ça a plu, donc ils ont fait un vrai jeu. Donc, je me suis trompé. Putain. Bon, comment on fait déjà? C'est pas ça. C'était l'autre. Aïe aïe aïe, ça m'énerve. Et là, s'il faut, je vais le trouver du premier coup et ça va encore plus me gaver. Parce que le truc, il est vers là-bas. Il est là-bas. Genre, il est là. Il est au-dessus, mais dans une autre dimension. Et ça fait chier. Il faut que je trouve... Enfin, je sais pas comment je peux avoir l'objet. En plus. Ouais, il est au-dessus, là, mais... Il est là-bas, mais comment j'y vais, je sais pas. C'est mon problème, c'est que je sais pas comment avancer. Genre là... Vas-y, continue. Non, je peux pas, là je vais me faire one shot par le machin. Faut que la tomate soit plus grosse, c'est ça le problème. Et pour que la tomate soit plus grosse... Bah là, attends, je remonte. Il faut que j'aille là. Qu'on passe dans le futur. Je prenne Velvé. Hop là, surtout pas ça. Merde. C'est moi qui l'ai gelé. Non, elle bouge pas, il faut aller dans le présent. Donc là. C'est dans le présent que je peux la geler et qu'après. Et merde. Et qu'après je peux passer. Oula, j'ai failli mourir. Donc en fait, faudrait que j'arrive là, mais dans le passé. Voilà, et je sais pas comment faire. Parce qu'on avait tenté de passer de l'autre côté là, ça voulait pas. Genre ici, il voulait pas passer. Alors que c'était le seul moyen que j'avais trouvé. T'as un navigateur d'ouvert ? Ouais, je peux chercher sur le navigateur. Je te mets un lien. Parce que maintenant que tu me dis que c'est Je mets un lien Discord. Ok, je regarde. Alors. Ah merde, double son, je le coupe. Pardon. Bon, tu veux pas aller plus vite par contre, Coco, là ? Vitesse de lecture. x1.5. Comment il fait pour passer, lui ? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que c'est une blague? Non. Comment je suis censé savoir ça, par contre? Alors là, je suis sur le cul.
Bon. Mais alors, sur le cul. Oh la vache. Bon, je retourne dans le passé, je vais tenter ça, mais... Mais comment tu connais l'endroit où tu peux le faire, ça? Allez, vas-y, défonce-moi, je te dirai. Je suis dégoûté. Genre, y a pas d'autre mot. Personne ne peut deviner ça. Quel bullshit. Après, c'était sur ça que j'étais venu à comprendre. Mais, enfin, c'était pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Mais si, on a compris. Mais ouais, mais attends, mais... Genre, comment tu veux que je me mate en face de lui et arriver à le faire? Genre, je me mets là, je me fais éclater. Oh, les boules. Faut passer pendant qu'il bouge. Ok, c'est ça en fait qu'il fallait faire. Putain, mais comment tu veux le savoir ça? Sans déconner. Mais putain, je vais pas assez vite. En fait, faut pas que je cherche, faut que j'aille de suite à... Je sais pas pourquoi je veux faire le tour par le bas, en fait. Je suis con, moi. Ah là là. Genre, me faut juste courir, hein. Pas m'arrêter, hein. Merci la tomate. Bon, ben au moins je vois cette carte pourrie. Aïe aïe, quel enfer. Bon, ça c'est fait. Y'a qui? Maintenant la 2. Non. Non, la 2 non. Pas la 2 justement. Tu m'avais dit que non. Attends, mais comment je repars par contre là? Oh, je suis obligé de mourir. Non, ça valide les coffres, non? Oui, ça l'a validé. Ok, on se casse. Attends, on va vite voir de toute façon. Oui, ça l'a validé. Alors, il me faut... Je te l'ai cherché. La 28. 28. À l'intérieur des égouts de Genova au présent, et tu auras besoin de meneaux pour ouvrir le passage. Putain. Encore les égouts, hein. Eh oui. Pour ouvrir le passage. Je peux passer là ou pas? Oui, impec. Allez, je me casse. Adieu, Navi. Ah, je peux pas partir, putain. Ah. Ah non, je peux partir. Ouais, c'est ça, ciao. Adieu, connasse. Alléluia. On a le coffre, on a le coffre, on a le coffre. Le pire, c'est que moi, je savais pas que c'était la carte. Donc, sur le coup, j'avais cherché le coffre là-dedans, mais ils les avaient tous fait, sauf celui-là. C'est vraiment des salauds. Alors, on a dit dans le présent. Là, je crois que je vais sortir, je serai dans le futur. Et des nouvelles de l'objet ou pas du tout? Non. Merde. Eh bien, descends, Kono. Allez. Ah merde, attends, tu m'avais dit au présent. Oh non, j'y étais, mais je suis con. J'y étais, quoi.
Ah, oh, l'idiot bête. Ah, ça y est, le petit vent frais se lève, c'est pas trop tôt. Il faut tenter de vivre. Allez, on va aux égouts. On va aux égouts, on va aux égouts. J'ai envie d'un sorbet à la poire. Mais j'en ai pas. Du sorbet citron, mais t'aimes pas ça. Mais non, c'est pour ça, moi je préfère la poire. Merde, les égouts, comment on y va? Je crois qu'on peut pas y aller dans le présent. Genre là. Attends, j'ai une idée. J'ai une vraie idée. Et là. Ah ah! C'est pas ça. Ah ah, c'est là. Je sais pas, on va dire. C'est pas là. Mais où est-ce donc? C'est pas là, putain. Il y a un coffre, mais je sais pas où. Et tu m'as dit qu'on a besoin de Meno. Ouais. Donc, que doit faire Meno? Pour être précis, ce serait c'est dans les égouts, il y a un repère du prophète quelque part. Mais oui, non, mais c'est là, c'est... j'y suis au repère du prophète. Mais c'est juste qu'il y a un truc par là, quoi. D'accord, ok, putain. Je l'avais pas vu quand on est venu la première fois. Ok. Et j'ai trouvé le prophète. Alors, il nous manque. Oh putain, c'est long par contre à faire ça. La 40 et la 42. La 40, bibliothèque de Genova future, un duel contre le doyen. Ah oui, mais on n'a pas pu y retourner depuis. C'est vrai. Mais où je vais là? Tu m'expliques où je vais? Et la 42? Savoir si c'est dans le présent? Dans le présent, près du quai. Et du quai? Très proche du quai. Quel quai? D'un quai, un port. Ah! Bah, il n'y en a pas beaucoup. Ah, Syrah. Sera. Ouais, c'est bon, je sais où c'est. C'est là où il y a. Normalement, dans le passé, notre tendre ami. Isabelle Morigny-Bosque. Oui. Donc, tu m'as dit Syrah, c'est ça? Ouais. Syrah. Ouais, c'est là, ouais. Comment j'ai fait pour louper un truc ici? Putain, il y a une carte et un coffre. J'ai été vraiment un débile, là. Comment j'ai loupé cette zone? Bon, enfin, bref. C'est pas grave. J'espère qu'il y a une étoile. Non, machin. Bon, toi, tu dégages. Ah, je suis tellement dégoûté. Mieux retard que jamais. Ça on met, ça on dégage, et on met ça là. J'ai pas un bon tirage. Hein. Oh merde. C'est mieux. C'est un peu mieux, donc on met le 0 là. Ah oh, putain, je peux pas le jouer, mais... C'est pas grave.
Oh, le tirage caca que je me tape. Non, mais j'en ai marre de ces pirates de ces morts, là. Ben voilà un truc utile. Bim. Non mais... J'en ai marre des pirates. Cassez-vous. Voilà. Il n'y a plus un seul pirate. Oula. 13. Quand même. Ah, comme même. Pardon. Oh. Ouais, ouais, je... J'ai... Oh, bah j'ai fini. Ah. Impec. Très bien. Ouais, j'ai super bien joué, ouais. Et je ne te dirai jamais comment gagner. Ok, pirate, c'est fait. Et il y a un coffre en bas. Où ça, je sais pas, mais il y a un passage vers le bas. Je crois en parle là, oui. Eh ben, ah, c'est bon. Faut que je m'énerve. Bon, là, c'est une étoile, obligé. Yes, 27. Allez, on va chercher la 42 dans le futur, tu m'as dit. Oui, pour le... que l'académie. Et c'est la 40. Ouais. Allez, on va changer d'époque. Colin triche encore, ça m'énerve. Il va me dépasser, après il va me raconter toute l'histoire et je vais m'énerver. Displate m'a toujours pas répondu, je suis un peu déçu. Voilà. Ça fait 2 semaines que ça traîne. Bon, 1 semaine et demie, mais ça me fait chier. Pour un support... Et surtout, bah, parce que le truc est moche, bah, ça me fait un peu chier. Je vérifie encore. Hein. Allez, on va à Genova. Mais ça veut dire que s'il faut, il y a des trucs plein la bibliothèque. Là, ils disent qu'il n'y a rien. Mais c'est dans chaque bâtiment que je devrais tester. C'est le problème. Ah, il a arrêté de tricher. C'est pas trop tôt, hein. Parce que moi, les tricheurs, hein, je trouve ça un peu abusé, quoi. Allez, on te défie. Prêt pour une partie du Game of Cards? Yance, je vais gagner. Yance. Oula, non. Pouet. Ah, petit soldat. Putain, il va pouvoir avoir de bonnes choses, lui. C'était les ingrédients parfaits. Accidentellement, le professeur Uno... Voilà, il s'appelait comme ça. Oh. Il est pénible. Il va gagner, en fait. On enlève Giro. Et on enlève... Ah, putain. Ça. Et on joue ça. Ça y est, t'as arrêté de tricher? J'ai entendu le oui. T'as vu? Il répond, hein. C'est un salopard. Hein. Il a pas été bien dressé, celui-là. Aïe. Ce qu'il faut pas entendre. Bon, là, par contre, je prends des damages. C'est pas bien. On aime pas prendre les damages. Oui, dans les volants, il y a un mini-jeu de cartes. Tu vois, t'aurais regardé les lives. Ouais, tu saurais, salopard. Guillaume, il dit, eh ouais. Ah là là. Boum. Au revoir tout le monde.
Au revoir Yves. Au revoir Yves. Ah oh non, il a tué mon machin. Je risque de perdre en fait avec ces conneries. Ouais, en fait, je crois que j'ai perdu. Genre vraiment. Oh merde, mais il a trop de joyaux. Moi j'ai rien. Oh non, j'ai perdu. Putain, va falloir refaire. Tant pis. J'ai pas eu trop de chance sur mon tirage. À force d'avoir toutes les cartes, j'ai toutes les bonnes et toutes les mauvaises aussi. Et oui. C'est le piège. Oui, je veux refaire. Alors, déjà ça. Hop, comme ça, moi, je peux mettre ça. Voilà, ça, c'est un bon tirage. Boum. Mais... Oh. Il est chiant de mettre ces trucs... Ah, joyau là. C'était quoi déjà, Princesse Starla, non? Et joyau magique. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est un truc comme ça. C'était vraiment nul ça. Bon, c'était pour les filles. On va dire ça comme ça. Pourquoi ça serait forcément pour les filles? Bah, on va dire que la cible, c'était les filles, si tu préfères. Oula. Je pense que je vais morfler. Ah. Il me faut 7. C'est bon. Allez. Que ça dégage tout ça, hein. Ça dégage la racaille. Là, ils ont vraiment pas honte dans ce qu'ils disent, putain. Enfin bref. Oh, un pec. Boum. Bon, normalement là j'ai gagné quand même. Hein. Le fameux cheat des devs. Bon, c'est bon, j'ai gagné. J'en pif et pouf. Impeccable. Voilà. Oh non, j'ai encore perdu. Mais non, enfin, bon, bref. Le doyen de la bibliothèque, plus que 3. Enfin, plus que 2. Alors, il me manque. La 49 et la 57. La 49, oui. Dans la forêt hantée au présent, c'est un duel. D'accord. La forêt la hantée 50... Oui. Genre vraiment? Oui. Mais on y était allé? Bon, la 57... La 57 est un duel aussi, au pont de Mayenne, dans le présent. Donc, que dans le présent. Ah, mais c'est des trucs... Bah oui. Le pont de Mayenne... Non, il avait pas pété. Bon, bah je sais pas, c'est pas grave. Oh, mais je... Au moins pouvoir finir les cartes. Les étoiles, ça risque d'être un peu plus compliqué, là. De faire tout le tour. Après, elles sont dans un coffre, donc on a juste à regarder à... au dit endroit s'il y a un coffre ou pas. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. Alors... Le pont... Ah, ok. Putain.
Oui, oui, je suis prêt, oui. Oula. Oh, non, je le veux lui, moi. Oh, je peux mettre ça. Et derrière, mettre ça. Et je vais avoir des gemmes. Oula. Il sort du semi-lourd, là. J'aimerais bien lui, parce que lui, il est vraiment fort, quoi. Genre, il tape avant tout le monde à 7. C'est quand même balèze. Rien à voir. T'as vu dans la légende de la rune ratée, dans le labo, il y a des cartes chats. J'espère qu'elles vont sortir pour de vrai. Ouais, on verra. Je pense que c'est vraiment spécifique au mode. Comme sur Hearthstone, il y a des cartes spécifiques sur les bras de fer, des cartes spécifiques sur les champs de bataille. C'est dommage, hein, parce qu'il y en a qui peuvent être activées. Ouais, il y en a qui sont sympas. Ouais. Genre, c'est souvent les traits, oui, vous avez posé 10 cartes aux noms différents, ouais. Donc c'est pas mal. Hein. Ouais. À voir, normalement, la prochaine extension, c'est en août de Runeterra, c'est ça? Ouais. Hearthstone aussi, mais bon, vu qu'il nous sort, on va les vomir. Ah oui, tant que ça. Mais... voilà. C'est dommage. Mais non, Runeterra, c'est bien sympa ce qu'ils font. Et là, je suis en train de terminer, dans très peu de temps, je termine totalement la barre d'XP de Repult Over et Zone. Là. Ouais. Du coup, ça fera ma troisième région terminée. Bien joué. Moi, je suis encore sur Bill Jovata parce que j'en ai besoin. Ouais. Oh, il y a un coffre. Ouh. Comment j'y vais? Faut que je fasse tout le tour sans déconner. Oh. Qui dit coffre? Il dit duel. J'aime ce genre de choses. Ah, il est là-bas! Poussez-vous, je veux mon coffre. Étoile. Putain, c'est de la gelée verte. Ah, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Bah, tu t'en fous, t'as fini le jeu, maintenant c'est juste à ouvrir des coffres. Mais oui, mais je veux les étoiles. Défié. Oui. Oula, 32 vies, merde. Pouf. Ah, ok. Il va sortir une carte, je vais pas comprendre. Bim. Paf. Et là, je chiale, c'est ça? Pas du tout. Ça picote, mais gentil, quoi. Bon, toi, tu m'énerves. Hein. Putain, je peux pas jouer d'Alquin. Bon, j'espère que je vais avoir une sacrée carte, là, qui va arriver. Pas mal. Par contre, il me bloque mon troll en bas là. Ça m'embête. Pour être très très poli. Oui, tous les jours. Pof. Boum! Là, je suis obligé de reprendre la main avec ça. Et je garde la main. Top, je suis. Ça, je peux mettre derrière en attendant. Bon, j'ai gagné. Ok!
Poète. Je veux passer. Encore vous ? Tous ces pirates qui viennent s'installer ici, soi-disant que leur île a explosé, je me demandais bien pourquoi j'acceptais qu'ils s'installent ici. C'est bien, Jaté, vous allez pouvoir vous faire des amis. De quoi vous vous mêlez ? Je n'ai pas besoin d'amis. Ah 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 ah, rire de droite. De toute façon, on sait bien qu'il finira par changer d'avis. Et c'est vrai qu'on sait. Bon, faut retourner au village et trouver 3 étoiles. Youpi. Donc là, niveau carte, c'est bon, c'est ça ? Ouais, ouais, il faut juste que j'aille faire le dernier combat, là. Ok. Donc je ferme la page. Et les étoiles, je sais pas s'il y a un perso comme dans... Ça serait bien, cela dit. Et les étoiles, tu peux pas savoir lesquelles il te manque. Non, sauf s'il y a un PNJ comme dans le 1 qui nous dit « Eh, ouais. Va là-bas !» Et je ne sais pas. Pardon ? Je ne sais pas. Je suis très déçu que tu ne saches pas. C'est toi le PNJ, pas vrai ? Non. Elle va pas me le dire. Ah, mais il est là, lui. Oh, tu as commencé, oui. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt fort. Cela fait longtemps que je n'avais pas rencontré un adversaire à ma mesure. Tu es prêt, Yaki ? Oui. Bon, là... Oh là là ! non. 50 points de vie. Il va falloir que je la joue fine. Ah. D'accord. Ça, si je le vends, ça fait 1 et 2, ça fait 3. Pfff, j'ai rien. Allez, mets-toi là, toi. Oh, je peux jouer ça ? Ouais, super. Sachant qu'il tape à 0, je sais pas à quoi il sert, à part juste tanker un coup, quoi. Autant les revendre. Bon. Ah, là, il y a du bon, là. Oh, un bec. On va y détruire son arbre. Comme ça, au moins, s'il met des choses ailleurs, qui m'enlève le truc rouge nul, là. Oh, merde, un mammouth. Un mammouth, hein. C'est un supermarché. Un ancien. On va mettre ça là, et on vend ça. Bon, pour l'instant, ça va... Oh merde! Il va me le tuer. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh. Putain, je peux pas le jouer. Ça ferait 8. Bon. On va mettre ça là. Ça, on vend. Oh mince! Ah, mon shit des devs, il est très fort. Yes. Oh merde. Ouf. Bon là, ça va devenir pénible. La ligne du haut va être très très pénible. Oh ben, plus maintenant. Moi, je vais faire ça, t'as. Paf. Paf. Comme ça, moi, je suis sûr de lui en mettre plein les dents après sur la ligne du haut. Au final, facile. J'ai eu du bol sur mon tirage. C'est vrai. Je l'avoue complètement. J'ai gagné. Un pec. Ouah, t'as super bien joué, tu m'apprendras à jouer comme un pro. Tiens, tu as mérité cette carte. Succès déverrouillé, collector, Fina. Bon, ça c'est fait. Je suis à 99% du jeu. Il me manque 3 étoiles, un objet chelou et de l'XP peut-être pour passer niveau 30. L'objet chelou, j'ai vraiment... C'est vrai ? Je sais pas du tout.
Bon, je vais rechercher en même temps, très vite fait, moi aussi, de mon côté. Les étoiles, je les ai sous les yeux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lesquelles il te manque. Merde. Attends. J'essaye de voir deux, trois trucs. J'essaye de voir, mais non, je crois pas. Enfin, j'ai un truc à faire apparemment, mais je sais pas ce que ça fait et je sais même pas si je l'ai, donc je vais voir. J'ai essayé de fouiller dans les succès du jeu, voir. Ouais. J'ai rien trouvé. Ouais, j'ai un truc à faire dans le futur. Faut j'aille à Woke Donald, mais je suis pas sûr de l'avoir fait ça. Donc on va voir. Bon, en tout cas, c'est pas dans les succès. Bon, je pensais que dans les succès, je trouverai des choses, mais... Ouais, il y a des trucs annexes, mais... Ah, attends. Il y a une étoile cachée dans le présent. Rendez-vous dans la maison abandonnée. Et elle est où, la maison abandonnée? Apparemment, il y a un coffre avec une étoile dedans. Écoute, va donc, je ne sais pas. Peut-être que... Mais je sais pas où elle est, moi, là. Là où on trouve l'épée au début du jeu. Voilà. Ouais, voilà, comme tu dis. Bah, l'épée, c'est forcément dans... Au tout début, genre... Ouais, je vais voir. Je vais d'abord voir Donald. Pour parler à Elizabeth. J'aime le côté naturel, blablabla. Ok, c'est pas elle. Ah, c'est elle-là. Il est tout rouge, il ne parle presque pas. J'espère qu'il n'a pas mangé quelque chose de trop épicé. Ça lui donne l'air si fragile. Quoi? Elles avaient dit que... Que j'avais un succès. Attends. C'est pas ça, c'est Shift Tab pour tous les succès. Non, ça c'est le premier, je m'en fiche. Bah non, je l'ai pas fait. You have won 50 card game. Mais je. Ah putain, faut que je refasse des combats. J'ai trouvé la tombe cachée, non je l'ai pas fait. J'ai pas toutes les étoiles, j'ai pas atteint le niveau 30. Et après ça compte pas dans le 100%, c'est vraiment... Oui je sais, mais je regardais en cas des trucs qui... que je n'ai pas fait quoi. Par contre il y a un succès qui est caché. Bah le succès caché ça doit être finir plus que 100%. Non, enfin, non j'en avais un autre sur le site. Ah. Ouais, attends je vais le rechercher parce que... c'est succès. C'est un truc, faut parler à quelqu'un. Genre, c'est le succès, il s'appelle. C'est, il faut parler à Elisabeth. Parler à Elisabeth dans le restaurant Walk Donald à Genova dans le futur. Là, je suis dans le futur, on est d'accord. Oui. Ouais.
Bon, c'est qui ? Elisabeth. D'accord, il y a un problème. Genre, je parle à tout le monde, il n'y a personne. C'est quand même bizarre. Bon, eh bien, je ne sais pas. Bon, voilà, un truc que je sais pas pourquoi. Ah, attends. Non. Putain. Bon. En tout cas, j'ai dit qu'il y avait une maison abandonnée dans le présent. C'est bizarre qu'ils me disent... C'est elle ? Parce que c'est le succès, c'est une robe bleue et blanche comme là, elle l'avait, la madame. C'est bizarre, hein. Bon, bref. Faut tuer 40 zombies dans la forêt aux fantômes. Enfin bon, ça c'est pas très grave, on s'en fout. Alors, on va dans le présent. Non, c'est pas ça. Je fais ouvrir un truc qu'il fallait pas. Bon, ça c'est non. Bon, on va voir la maison. J'ai dit dans le présent. Et j'ai vu qu'il y avait autre chose. S'il faut, il y a une étoile cachée là-bas. Dans l'autre chose. Non, je vais voir. Alors, dans l'autre chose, il y avait ça. Allô ? Merci. Un truc que je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais... Voilà. Et un coffre avec une étoile. Très bien. C'est pour ça que je préférais. Mais je suis sûr que peut-être le succès de la dame là, s'il faut, ça me file une étoile. Hein. Après, on peut voir sur la liste. Hein. Donc, c'est... Bon, déjà, j'en ai une là. C'est bien, et j'ai dit qu'il fallait que j'aille dans une maison, il m'en manquera qu'une, quoi. C'est pas mal. Allez. Donc, au début du jeu, la maison abandonnée. Ça, c'est sûrement dans le village. Oui, je vais atterrir, allô. Merci. Alors, où est la maison abandonnée? Ben déjà, je peux pas entrer dans celle-là. Ah, je peux entrer dans celle-là, mais ça, c'est chez Fina. Non, c'est pas celle-là. La maison abandonnée. Est-ce que ça te parle ou zéro? Ça, c'est l'auberge. Ben, ça doit être celle-là, en fait. Mais comment on fait pour y rentrer? Non, ça doit pas être elle. Là, il y a des armes. Il y a le vieux, là. La maison abandonnée dans le début du jeu. Ça me dit rien. Là où on trouve l'épée, c'est celle-là? C'est celle-là? Non. Il y a un coffre quelque part. Attends, quoi? Il y a un coffre là, mais... Non, il y a une coffre dans une maison, en fait. Ben, c'est le coffre qui me manque. Je suis con, moi. La maison abandonnée. Au-delà de ce que je vois. Dans la liste des étoiles, j'ai rien en rapport avec une madame avec une robe en bleu. Ouais, bon. D'un côté, tant mieux, alors. La maison abandonnée.
Là, c'est pas la maison, là on sort, c'est ça? Ouais. Mais merde, c'est où la maison abandonnée? Elle est pas au-dessus là? Si. Elle est là. Putain. C'est ça. Aïe aïe aïe. Bon. Une en moins. Alors ensuite, tu m'as envoyé étoile de collection. Oh putain. C'est ce que j'ai souhaité. Ouais, bon, dans le village, c'est fait. Numéro 2, dans la forêt, au passé. Ah! Dans la prison de Genova, passer, parler aux gardes à l'entrée de la prison. Ben, s'il faut, c'est par là-bas. J'avais toujours dit que dans la prison, il nous manquait un truc. Bon, s'il faut, c'est pas là-bas, mais on peut toujours tenter. Tu peux tenter. Ouais. Ah, j'aimerais que ce soit ça. Vu qu'il me reste 10 minutes. Vu qu'on dépasse pas minuit. Vite alors. Vite. Vite, vite. Vite, super arbre. Vite, super gland, vite. Aïe, aïe, aïe. Après, dans les égouts, on avait réussi à tout faire au final. Enfin, je crois. Ça craint. Allez, dépêche-toi. Parce que dans la prison de Genova, dans le passé, parler aux gardes devant l'entrée de la prison si vous voulez y accéder une nouvelle fois. Putain, mais j'étais quasiment certain de l'avoir fait tout le temps, d'essayer de leur parler pour y retourner. Ça me fatigue. Bon, si ils disent que je peux y retourner, ça m'arrange. Alors, le garde devant la prison. Toi? Non. Putain, mais je peux pas. Ou alors, y a une autre entrée. Oui, c'est là. Allez, s'il te plaît, dis-moi que je peux. Mais... Mais putain, mais ils se foutent de moi! Ouais, ils se foutent de moi, ouais. Punaise. Allô, je veux y aller. Alors là, c'est un grand mystère. C'est lui? Ah putain, oui. J'ai payé 10 pour rien, c'est ça? Oh merde. Bon, on va pas passer le dialogue. Vous êtes l'un des gars qui s'était évadé de la prison. Oui. Ah, je savais que c'était vous. Si vous ne voulez pas retourner en prison, donnez-moi... Non. Vous êtes certain? Donnez-moi 10G. Non. Très bien. Ok, on y est. Il y a un coffre. Putain. Ah merde, j'avais oublié ça. Moi, je me balade. Oui. Oui. Ah, au moins c'est par là. Tant mieux.
Et ça doit être la dernière que j'avais pas faite. Hop là. Donc il y en a deux en fait dans la prison. Non, c'est pas par là, très bien, merci. On attend qu'ils redescendent. Après s'il faut c'est de la gelée qui m'attend, hein, mais bon. Hop. La boîte. Merde. Je sais plus par où fallait passer. Par là, apparemment. Ok. C'est quand même plus efficace qu'un livreur qu'on au poste. Hein. Putain, oui. Bouge, bouge. Mais s'il faut, j'en ai déjà loupé une en fait. C'est le problème. Parce que je vois pas trop où elle est dans. Au pire, j'y reviendrai, mais. Ça m'embête. Il y en a une qui était bloquée dans les cellules, ça j'en suis sûr et certain. Et l'autre, je sais pas. Genre là, dans les cellules, il y en avait une qui traînait. Mais laquelle, je sais pas. Non, tu m'as pas vu. Là, par là, il y en avait une. Ah, putain. Parce qu'attends. Dans la prison, parler aux gardes devant l'entrée pour y accéder une nouvelle fois. Oui, merci. Mais... C'est là où il y en a une. Merde, j'ai fait n'importe quoi, là. Je sais pas ce que j'ai voulu tenter, mais c'est pas ça. C'est vers le haut de la map qu'il me faut aller. Non. M'a pas vu. Non, m'a pas vu. Ah, merde. M'a vu. Merde, il m'a vu. C'est vers le haut de la map où il y en avait. Il y avait un coffre que j'ai... Ouais, c'est sur cette map. Ok, c'est bon. Oui, je vais avoir la dernière étoile. Et en fait, il n'y en aura qu'une seule où on aura dû chercher sur l'internet. Et une carte. Je crois. Ok. Elle est au-dessus, normalement. C'est un... Non, mais... Je me souviens plus comment fallait le faire, lui. Il était un peu pénible. Mais... Non. Je peux pas aller plus vite que lui. Ah non, la preuve que non. Non, toujours pas. J'allais plus vite que lui, moi. Il m'a pas vu, si. Bon, c'est pas grave. On va attendre. Parce qu'au final, je perds du temps, et puis il me reste qu'une minute, quoi. Allez, bouge tes fesses, s'il te plaît. Merci bien, monsieur. Alors, elle est là. Comment j'ouvre la porte? Dans la prison de Genova passé, parlez au gars blablabla si vous voulez accéder. Pour ouvrir la porte, prenez l'escalier à l'ouest de la sortie et activez
le levier au bout du labyrinthe. Quoi ? Prenez l'escalier à l'ouest de la sortie. Attends, là je suis à la sortie. Donc l'ouest c'est vers là-bas. Donc ça c'est l'escalier à l'ouest. Ok. Faites le labyrinthe. Oh putain, d'accord. Oups. Non, non, tu m'as pas vu. Non, lui il va refaire le tour. Merde, je me suis bloqué en le faisant faire pipe. À moins qu'il faut que j'aille vers le bas quand lui il remonte. Ouais, ça doit être ça. Ah non, peut-être pas. Bordel de merde. Je l'ai fait bugger en fait le machin. Bon, le labyrinthe, il est pénible. On a dépassé minuit, c'est grave. Bah, tu finis ça et on arrête. Ok. Ah putain, mais il repart aussi sec, lui. Comment je peux faire? Je peux pas le coller. Si. Bon, oh, si, peut-être. Ok, c'est bon, c'était ça. Ensuite, je peux pas descendre là maintenant. Si, hop là. Ah, mais lui, il tourne tout le temps. Bon, c'est pas très grave. Personne m'a vu. Personne m'a vu. Très bien. Ensuite, eux, ils font la ronde. Non, c'est bon. Ok, donc le levier. Très bien. Et je dois repartir. Mais si je fais ça, est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Très bien. Et là, voilà ma dernière étoile. Étoile! Ouais, Star Player. Impeccable. Bon, je sors de là. Pour sauvegarder. Fallait le savoir, ça, là, quand même. Hein. Ben, je l'avais vu quand on y était passé, mais on n'y était jamais revenu. Et j'avais parlé à tout le monde, mais... Mais pas comme il faut, quoi. Oh! Une épée en oricon. D'accord. Ah oui, bah c'est juste pour sortir, quoi. C'est pas l'épée en oricon de base, c'est juste l'épée pasta. Ok, très bien. Je sors du village, c'est validé. Et j'aurai juste... à regarder 2-3 trucs. De mon côté. Pour faire la succès. Donc sur ce, on vous dit merci de nous avoir suivis pour la fin d'Evoland. Et durant tout Evoland, hein, tout simplement. Ouais. On fait des bisous. Pourquoi ça a changé, là? Pourquoi elle a cette tête, là? C'est parce qu'on est dans le passé? Peut-être, ouais. Bah attends, oui. Je vais juste vérifier. Parce que là, que j'ai fait le 100%. Ouais, d'accord, oui, 100%. Hop. Hop, allez. Je vais juste regarder ça. En vous disant merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Et à la prochaine. Oui, c'est bon. C'était juste l'affichage qui était bizarre. Et merci de nous avoir suivis sur ce jeu. Allez, sur ce, au revoir. Et à très vite. Suivez-nous partout, comme d'habitude, pour avoir les informations. Allez, le bisou. Ciao.